Bonjour à tous, je suis très très heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, pour le dessert, je vous offre une charlotte chaude aux pommes. Allez, venez, c'est parti! Pour notre charlotte chaude aux pommes, il nous faut du pain de mie, du beurre, des pommes, du sucre, de la poudre de cannelle, de la chapelure, de la confiture et du rhum. On commence d'abord par tailler les croûtes de nos pains de mie des deux côtés comme ça. Une fois qu'on a fini de trancher les croûtes de nos pains de mie, à l'aide d'un pinceau, on va les badigeonner de beurre fondu. Voilà. Et on les dispose dans le moule en les chevauchant comme ça. Il ne faudrait pas oublier d'en mettre dans le fond du moule et sur les côtés. Allez, venez, on va préchauffer notre four à 180 degrés. Ensuite, on passe à nos pommes. On va les éplucher. On les coupe en deux et on retire les pépins. On va maintenant émincer les pommes avant de passer à la cuisson. Allez, hop, on va les faire sauter dans du beurre. Un peu de sucre pour caraméliser. On mélange. Voilà. On n'oublie pas notre poudre de cannelle qui va parfumer tout ça. On va maintenant mouiller avec le rhum et on laisse cuire 5 minutes. Après 5 minutes de cuisson, il faut retirer les pommes et les disposer dans notre moule tout doucement. Et on n'oublie pas de réserver le jus pour notre sauce tout à l'heure. On termine en saupoudrant notre préparation de chapelure et on enfourne pendant 40 à 45 minutes. Pendant ce temps, nous allons faire notre charlotte, une délicieuse sauce avec de la confiture qu'on va utiliser pour napper notre dessert. C'est très simple. Vous versez la confiture dans le jus de rhum et on tourne. Une fois qu'on a un mélange homogène, on peut passer au dressage. Pour faire une charlotte chaude aux pommes pour 6 personnes, il nous faut 400 g de pain de mie en tranches, 150 g de beurre, 4 pommes, 60 g de sucre en poudre, une pincée de cannelle, 50 g de chapelure, 100 g de confiture d'abricot et 1 centilitre de rhum. Pour la troisième édition de son numéro collector, votre magazine Cordon Bleu vous propose près de 70 recettes spéciales volailles. Poulet, pintade, canard, oie, caille, dinde, pigeon, découvrez toutes les recettes de volailles aussi savoureuses les unes que les autres à réaliser chez vous. En bonus, vos fiches recettes spéciales CHEP à découper. Disponibles en librairie et kiosque à journaux. Plus d'infos au 22 42 09 07. Cordon Bleu, bien manger est un art. Vous avez besoin de chapelure fait maison? Eh bien, c'est très simple. Mettez vos tranches de pain de mie sans la croûte au four à 90 degrés. Ensuite, vous les mixez et vous les passez au tamis. Vous obtiendrez ainsi une chapelure fine et homogène. La charlotte chaude aux pommes est un dessert qu'il faut servir chaud. Vous pouvez rajouter un peu de sauce si vous le voulez. Allez, essayez la recette et merci de suivre Cordon Bleu TV.